j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maîtresse, mais un petit peu différente de d'habitude puisque ce n'est pas un teachy vlog. C'est une vidéo sur les cahiers de ma classe en CM2. Et pour cela, j'ai piqué le cartable d'un élève. Enfin, d'une élève plus précisément. Honnêtement, je trouve trop kiffant son sac à dos de CM2. Donc voilà, un petit exemple de sac à dos dans la classe de la marque Rip Curl. Et je trouve trop trop beau. Donc on va fouiller dans son cartable. C'est son cartable pendant les vacances. Du coup, elle a quasi tout pris. Et il manque juste deux petites choses que j'ai ramenées de la classe, hein, que je garde pendant les vacances. Donc, on va fouiller en même temps, voir s'il n'y a pas des choses compromettantes. Dans la petite pochette devant, je trouve quoi? Des cartes Harry Potter, un bout de calculatrice cassée. Très bien. Donc dans cette vidéo, vous allez voir tous les cahiers que j'utilise dans la classe au quotidien avec mes élèves. Et je vais essayer de vous montrer aussi un petit peu l'intérieur des cahiers et vous expliquer un petit peu comment je les corrige. Mais je ne les corrige pas tous, hein, faut le savoir quand même. C'est pas possible de corriger tous les cahiers et tout ce que j'utilise avec mes élèves. Il n'y a vraiment que certains cahiers qui sont ciblés et qui sont corrigés quotidiennement. Déjà, mon élève, je vois qu'elle a gardé son petit carnet de voyage qu'on a fait pendant la classe de neige. Donc il y a la petite présentation, à l'intérieur elle a écrit, on a commencé ensemble en fait ce petit carnet de voyage. Je vous renvoie vers mes vidéos classe de neige, hein, elles sont pas très loin, je vous mettrai dans la barre d'infos si j'y pense. Et après c'était à eux de les continuer pendant la classe de neige, donc d'écrire les emplois du temps, ce qu'ils ont fait pendant cette journée-là. Donc là, elle l'a gardé dans son cartable, pourquoi pas. Elle a le droit, hein, elle fait ce qu'elle veut. Ensuite, elle a son cahier de brouillon. Donc parfois, certains sont à leur deuxième cahier de brouillon. Elle, ça a l'air d'être son premier. D'ailleurs, il est fini et je ne sais pas pourquoi elle l'a pas laissé chez elle. Donc là, le petit cahier de brouillon, moi pour moi, c'est un cahier d'essai. C'est un cahier où on fait les exercices, on s'entraîne. Je corrige pas le cahier de brouillon. Je regarde seulement, parfois je le ramasse. Je corrige les dictées, quand on écrit des dictées à l'intérieur ou des dictées de mots, ça je les corrige évidemment, puisqu'après ils vont devoir les apprendre à la maison, donc faut que ce soit des choses sans erreur. Et sinon c'est leur cahier d'entraînement, en fait c'est vraiment un cahier d'entraînement. Donc je vois qu'il y a le deuxième qui est ici et il est commencé, à peine commencé, donc là il y a les petits exercices qu'on a fait. Je suis assez exigeante sur la présentation, même dans le cahier de brouillon. Je leur demande d'écrire la date, de souligner, de prendre le même rythme que dans le cahier du jour, comme ça au moins ils s'y font. Après je titille pas, hein, je regarde pas tout en détail, mais en tout cas quand je passe à côté d'eux, faut que ça soit bien présenté. J'essaie vraiment de mettre de l'exigence partout au niveau des présentations des cahiers. Du coup, dans le cartable de mon élève, il y a son agenda, qui n'est pas Harry Potter, tiens, mais beaucoup dans ma classe ont des agendas Harry Potter. D'ailleurs, sachez que aussi, dans les agendas, je suis super relou sur l'écriture. Je ne demande pas à ce qu'ils écrivent bien, mais je demande à respecter une présentation qui va les aider pour le collège. Je leur demande de faire des petites étoiles à chaque fois pour les différentes matières, de souligner les matières pour que ce soit visuel et que le soir, quand on arrive à la maison, bah, on sache combien on a d'exercices ou de choses à faire, quelle matière on doit faire, etc. Et ça leur permet aussi, quand ils doivent préparer leur cartable, de savoir bah, quoi emmener. Quand ils voient qu'il y a science, bah tiens, j'emmène mon classeur avec les sciences, etc. Donc je ramasse parfois quelques cahiers, quelques agendas pour mettre des points aux maisons selon l'état de l'agenda. Et c'est marrant parce que là je vois que mon élève le vendredi, comme c'est pas moi, elle a pas écrit la matière. Elle s'est dit ouais. Mais sinon le reste du temps elle a bien écrit, hein, au niveau de la présentation c'est assez bien respecté. Vous voyez il y a bien les différents points à faire à la maison. Donc là par exemple il y a faire signer les potions pour le collège et les papiers pour le collège, l'argent pour la classe de neige, lecture, lire le texte de Beetle le Bard, anglais, apprendre la leçon sur l'heure et dictée Dudley à corriger. Donc c'est bien, on voit bien les petites croix qui nous indiquent combien de matière on a à travailler. Et ça je trouve ça super important pour le collège, pour les aider à s'organiser. J'essaie toute l'année de faire en sorte que ce soit comme ça. Alors c'est pas gagné avec tout le monde, hein, mais on y arrive. On a le cahier de liaison qui est un cahier bleu cette année, mais parfois je change. L'année prochaine j'ai pris un cahier rouge. C'est là où on met des mots pour les parents, on met les informations importantes sur le sport, les choses comme ça, les sorties, tout est dans ce cahier. Donc j'hésite, là j'y réfléchissais ce matin justement à me prendre un cahier, un grand cahier de liaison. Parce que parfois les feuilles, les grandes feuilles pour le collège sont pliées et les enfants les regardent pas, les parents les regardent pas. Vous voyez là par exemple il y a une feuille qui est pliée en deux, bah parfois les parents ou les enfants ne regardent pas et ne signent pas du coup. Je me dis que dans un grand cahier les feuilles seront mises droites et du coup les parents auront peut-être plus le réflexe de les signer parce que c'est vrai qu'il y a des feuilles importantes qui passent beaucoup au collège, les volets 1, les volets 2 pour les profs de CM2 vous devez savoir. Et j'ai du mal des fois à les récupérer.
Donc j'hésite à prendre un grand cahier, à réfléchir pour la prochaine fois. Mais en tout cas c'est là-dedans qu'on met tous les papiers avec les parents. Et c'est aussi là-dedans que je mets les potions. Oui, parce que dans ma classe on fait les potions comme ceci, avec tous les jours les comportements des élèves. Et à la fin de la semaine ils doivent le faire signer par leurs parents. Et du coup il y a leur couleur de potions, s'ils sont verts. Donc il y a vert, jaune, rouge. Sinon il y a bleu quand on est excellent. Et quand on a eu une semaine exemplaire, on est vide d'or. Du coup c'est doré. C'est un peu comme si on avait le totem d'immunité. Donc ça c'est pour le comportement, c'est aussi dans ce cahier là. On a le fameux cahier de leçons. Et c'est un cahier 4 couleurs hein, qui est plastifié. J'essaie de prendre ce genre de cahier parce que c'est pratique. Et comme ils doivent l'avoir tout le temps dans le cartable, bah c'est mieux hein, qu'il soit plastifié. Comme ça au moins il dure longtemps. Donc là à l'intérieur on a le maths et le français. Ils sont divisés en 4 onglets. Premier onglet, conjugaison, grammaire. Deuxième onglet, orthographe, vocabulaire. Troisième onglet, nombre et calcul. Et le dernier onglet, géométrie et grandeur et mesure. C'est à l'intérieur qu'on met toutes les leçons. Moi, toutes mes cartes mentales que je fais avec mes élèves aussi, c'est à l'intérieur. Et au début, ils étaient un petit peu sceptiques dans cette classe sur les cartes mentales. Et puis finalement, je pense que ça vient tout doucement. Nos cartes mentales sont toujours présentées de la même façon. Avec cette petite lettre de chez Harry Potter, hein, la fameuse lettre du début du livre. Et la leçon ici et les différentes éclairs pour les différentes choses à retenir. Et ça marche plutôt bien. Alors j'écris encore des leçons de façon traditionnelle évidemment. Surtout les leçons de conjugaison sur les temps. Parce que c'est plus facile, je trouve, en leçon traditionnelle. Et puis, je me dis qu'il faut que je fasse les deux pour le collège. Pareil, ils n'auront pas des cartes mentales tout le temps. Donc, j'essaie de varier les différents supports. On a aussi des listes de vocabulaire. On a quelques petites choses sympathiques. Et après, ils font aussi avec ma collègue du vendredi. Voilà pour ce carnet-là. Il y a quand même plein de choses intéressantes. C'est un carnet qui doivent, c'est un cahier qu'ils doivent avoir toujours dans le cartable pour le réviser régulièrement. Moi, je leur dis pas forcément, et là, je commence à les habituer, mais je leur dis pas forcément, apprenez pour la semaine prochaine la leçon, bidule, machin. Je le mets parfois dans les devoirs et puis parfois j'oublie de le mettre, mais je me dis que c'est à eux. Quand ils savent qu'on a noté une leçon, c'est à eux de le relire aussi à la maison. Parce que l'année prochaine, ils auront peut-être des interrogations surprises. Hein. Ensuite, on a la pochette de classe. Ça, c'est une pochette que je leur donne aussi en début d'année. Donc, c'est dans leur liste de classe. Je leur donne la présentation. Dans cette pochette de classe, on y met tous les documents, les papiers, les fiches à faire à la maison pendant les vacances. Donc là, par exemple, pendant les vacances, ils ont une fiche à faire sur les divisions. Donc, ils doivent la terminer. On a commencé en classe et ils doivent la terminer. Donc, on met tous les travaux en cours, les fiches en cours à l'intérieur de cette pochette, les documents aussi importants que je dois faire signer, c'est aussi à l'intérieur de cette pochette. Enfin, y a pas mal de choses, mais après, je vous avoue qu'on la trie pas souvent, donc des fois ça s'accumule. Mais l'essentiel, c'est que quand je leur demande un travail à faire, on sait que c'est dans la pochette de classe. Et donc, son cartable, il est bien rangé à mon élève. Hein. Ensuite, il y a le fameux classeur. Et ça, je vous l'avais montré dans une vidéo Teachy Blog, je vous avais montré un petit peu l'organisation. C'est avec des intercalaires, il y a 2, 4, 6 onglets, une page de présentation avec les différentes couleurs des onglets et la matière. L'onglet rose, ça correspond à la géographie, l'onglet violet, l'histoire, l'onglet gris, EMC, l'onglet jaune, les sciences, l'onglet bleu, l'histoire des arts et pour finir, l'onglet vert, c'est l'onglet lecture bonus. C'est là où on met toutes nos fiches de lecture, en plus des livres qu'on lit, les fiches Harry Potter, enfin tout ce qui est lié à Harry Potter ou à d'autres textes hein, qu'on découvre aussi. Tout est dans ce classeur et il est bien organisé là aussi. Il y a pas mal de choses intéressantes. C'est là où on met toutes nos fiches, on écrit nos leçons aussi sur les sciences, sur l'histoire. Tout est dans ce classeur. Mon élève a aussi son cahier d'anglais, c'est un cahier qui est sur 2-3 ans, parfois il commence du CE2 au CM2, mais on s'est rendu compte qu'en fin de CM1, malheureusement, il était terminé, donc c'est compliqué d'avoir un cahier qui dure sur les 3 années, peut-être qu'il faudrait faire un cahier CM1, CM2, pour que ça puisse, mais ça évite le gaspillage, donc c'est une bonne idée quand même. Donc là, celui-ci, je pense que mon élève, l'année dernière, elle l'a commencé en milieu d'année dernière, parce que, ouais, je reconnais mes fiches de l'année dernière. Avec eux, l'année dernière, je leur ai fait de l'anglais. Donc, j'intervenais dans la classe de mon collègue. Donc, c'est moi qui ai complété leur cahier d'anglais l'année dernière. Cette année, c'est Angelvine qui fait anglais dans ma classe. Donc, c'est elle qui complète. Elle fait beaucoup de leçons du style où on doit soulever. Et ça, ça a l'air de bien fonctionner pour les élèves. Comme ça, ça leur permet de réviser les mots. Bah tiens, le barbecue, ça se dit comment en dessous, etc. Donc ça leur plaît bien, c'est pas la même façon que moi je faisais, mais ça marche bien aussi, donc c'est plutôt sympa.
Les cahiers d'anglais sont assez ludiques, il y a beaucoup de coloriage, de jeux, d'activités, style jeux mêlés, jeux mots mêlés, etc. Les fameuses leçons avec les dessins à soulever, parce que c'est important en CM2 d'avoir des jeux comme ça un peu sympa. Et puis ça leur permet d'apprendre facilement à la maison aussi. Donc le cahier d'anglais, c'est le fameux cahier jaune, et nous, comme je vous l'ai dit, ça, c'est du CE2 au CM2. Ensuite, on a le fameux lutin, donc c'est le porte-vue comme ça, avec le journal de classe. Donc depuis le début de l'année, ils ont leur journal de classe dans ce lutin-là. Donc il y a tous les gazettes du sorcier un petit peu, parce qu'on en a fait pas mal. Je peux pas vous les montrer parce qu'il y a des photos de mes élèves à l'intérieur. Parfois ils sont en couleur, parfois ils sont en noir et blanc. Quand je pouvais, je les imprimais en couleur, mais parfois je peux pas quand il est trop grand. Donc ça a bien commencé en septembre, et le dernier en date, c'est l'édition spéciale classe de neige, qui est mars-avril. Et là on va en faire un à la rentrée aussi sur avril-mai, avec toutes les petites choses qui se sont passées au mois d'avril et qu'on n'a pas pu dire dans l'édition spéciale, puisque c'était que classe de neige. Donc ça, je leur donne régulièrement. Là pendant les vacances, ils doivent lire la dernière gazette du sorcier avec leurs parents. Ça permet de découvrir aussi avec papa maman, de lire avec eux ce qu'ils ont pensé. Enfin, ça permet de faire un petit bilan aussi, je trouve ça très sympa. Honnêtement, cette année, mon journal de classe, il déchire sa mère, hein, vraiment, excusez-moi du terme, mais je le trouve canon. Avec les années, je me suis améliorée, j'ai réussi à faire un peu plus. Maintenant, il faut que j'arrive à vraiment faire tous, à faire taper tous les élèves leur texte. C'est pas encore gagné, ça, j'arrive pas encore à le faire, mais ça ne serait tardé. En tout cas, il est vraiment bien. Et l'avant-dernier cahier, si je me trompe pas, c'est le cahier de poésie. Encore une fois, cette année, j'ai changé. J'ai pas pris le même, mais l'année dernière, j'avais pris ce carnet-là, un peu travaux pratiques, poésie, avec évidemment à l'intérieur ligne CIS pour écrire la poésie et une page pour faire le dessin, parce que moi, je trouve que les dessins en poésie, c'est essentiel, hein. C'est hyper important. Donc, il y a des trucs un peu sympas. Évidemment, toutes les poésies sont en mode Harry Potter. Il y a aussi les chants qu'on a étudiés avec notre intervenant en chant, qui sont collés à l'intérieur. Là par exemple, c'est une poésie sur le Quidditch, donc il y a un dessin Quidditch et la poésie à côté. Il y a plein de choses, encore des chants, et on a même le chant Harry Potter, et là faudra qu'on écrive les paroles qu'on a inventées sur la musique Harry Potter, donc c'est pas mal du tout. Donc tout ça, c'est là-dedans. Ce cahier-là, il est pas mal, mais il y a trop de pages en fait encore. Après ça va, mais c'est... presque, en fait mes collègues n'utilisent pas de cahier, c'est moi qui ai décidé cette année d'utiliser un cahier. Mes collègues utilisent un porte-vue et ils remplissent du CE2 au CM2. C'est plus écolo et tout ça, ça je suis d'accord, mais en fait les dessins et tout, c'était bâclé, ça m'énervait, j'aimais pas trop le principe, j'arrivais pas à m'y faire, donc j'ai changé pour ce genre de cahier là. Mais il faut juste que j'arrive à trouver la taille d'un cahier suffisant pour faire 10 poésies dans l'année à peu près, 10-12 poésies, et coller quelques chants. Donc j'essaie de réfléchir encore, c'est pas encore définitif, hein. Tous les ans on réfléchit, on voit, on essaie d'améliorer. Mon élève dans son sac a des feuilles qui traînent, et ça c'est pas normal, elle devrait être dans la pochette de classe. Et pour finir, les deux dernières petites choses que je ne donne pas spécialement aux élèves tout le temps, le cahier du jour, qui est le cahier qu'on garde dans la classe, je le donne parfois aux élèves pour qu'ils fassent signer par leurs parents, histoire qu'il y ait... qui est un peu des vues des parents. C'est un cahier qui est là, il faut s'appliquer au max. Je leur mets des coups de pression, j'avoue, pour que ça soit très très propre. Je vous avoue que je suis exigeante. Alors, je demande pas un truc de fou, mais je demande que la date soit soulignée en rouge, les matières soient soulignées en bleu, qu'on saute des lignes régulièrement. Quand on fait des dictées, on saute des lignes, on colle correctement ses feuilles, on essaie de pas dépasser à l'extérieur du cahier, parce que oui, en CM2 ça arrive, hein, que certains élèves collent leurs feuilles et que ça dépasse à moitié, et c'est pas grave. Voilà, c'est un cahier où je demande beaucoup de rigueur, et je trouve que ça, c'est vraiment des très beaux cahiers. Du coup, avec l'exigence, ça marche. Mais il y a un petit truc en plus dans ce cahier, c'est que à la fin de notre cahier du jour, il y a les fameux champions de copie qu'on peut obtenir principalement dans ce cahier là mais on peut avoir des champions de copie aussi dans le cahier de poésie, dans le cahier d'essai, on peut avoir des champions de copie dans les leçons de sciences, dans les leçons d'histoire, un peu partout. À partir du moment où je corrige, on peut avoir des champions de copie, et ils sont cumulés ici. Au bout de 8 champions de copie, hein, c'est ça ? Ouais. Au bout de 8 champions de copie, on obtient un privilège, et on a donc une feuille accessible dans la classe avec des privilèges du style pouvoir s'asseoir dans le coin lecture sur la chaise confortable et pouvoir lire son livre tranquillement là-bas. Si on a deux privilèges qui se cumulent, on peut faire un dessin sur mon iPad pour le dessin de poésie, et après je l'imprime en couleur et je le mets dans leur cahier de poésie. Le privilège de pouvoir remonter dans le vert quand on a fait un petit peu trop de bêtises ce jour-là, et comme ça, ni vu ni connu, les parents ne sont pas au courant. Voilà, plein de petits privilèges comme ça. Accéder à la boîte à cadeaux dans ma classe,
et bah, c'est grâce à principalement les champions de copie. On peut avoir aussi des privilèges quand on est vif d'or, il y a d'autres façons d'avoir des privilèges, hein, mais aussi dans les champions de copie. Évidemment, j'essaie de varier et de pas donner des champions de copie aux élèves qui sont toujours performants ou qui écrivent toujours bien. J'essaie de valoriser aussi pour les élèves qui ont plus de difficultés dans l'écriture, bah, de voir qu'il y a une amélioration, et dans ces cas-là, je les récompense d'un champion de copie. Quand le travail aussi est très bien fait, même si l'écriture n'est pas au top du top, mais que voilà, par exemple, la dictée, il n'y a aucune erreur d'orthographe, mais l'écriture n'est pas à son maximum, bah, je valorise avec des champions de copie. Voilà, j'essaie de valoriser un maximum, c'est vraiment pour les motiver, les pousser, et quand on a obtenu toute sa feuille de champion de copie, comme cet élève-là, eh bien, on obtient un bonus de 500 points pour sa maison, et ça, c'est vraiment cool, et ça les motive aussi fortement. Et après, on obtient une deuxième feuille, hein, et puis on peut avoir encore 500 points quand on arrive au bout. Donc ça fonctionne très très bien. Je vais vous montrer un petit peu les tampons que j'ai au niveau des champions de copie. J'ai plein de tampons différents, mais j'en ai qu'un champion de copie. Sur les évaluations, je mets d'autres tampons, hein. Je mets aussi le tampon félicitations, je mets le tampon très bien. Ça peut m'arriver aussi de mettre le tampon tu y es presque. Voilà, j'essaie de varier les tampons selon l'évaluation ou selon le travail. Et en parlant des évaluations, la dernière pochette, c'est la pochette d'évaluation. Je la donne pas tout le temps, comme je vous l'ai dit. Je la donne que quand j'ai des évaluations à donner, je la donne aussi quand il y a le livret à signer. Voilà, à l'intérieur vous avez toutes les évaluations que j'ai faites depuis le début de l'année. J'évalue aussi dans le cahier du jour, mais c'est un peu moins noté, on va dire. Il n'y a pas de A, B ou C, il n'y a pas de... J'ai pas entouré les... Comment ça s'appelle? Les compétences. Dans les évaluations, je fais hyper attention aux compétences. J'entoure les compétences qui vont me permettre de remplir les livrets après. De toute façon, je vous montre quelques zooms. Là, il y a des évaluations aussi qui sont pas les miennes, qui sont de ma collègue du vendredi. Mais sinon, moi, les miennes, il y a toujours les compétences qui sont écrites en haut de l'évaluation. Parce que je trouve que c'est hyper important pour les parents de se repérer, de savoir où est-ce que ça a pêché, qu'est-ce qu'il faut revoir. Et puis moi, ça me permet aussi de remplir beaucoup plus facilement mes livrets sur le site officiel, hein, pour remplir les livrets. Voilà, vous avez eu un aperçu de tous les cahiers d'une élève. Vraiment, là, on a mis la main dans son sac. Il n'y a rien qui traîne. D'ailleurs, elle a enlevé ses trousses, hein, évidemment, parce que sinon, ses trousses, elles sont chez elle. Pendant les vacances, de toute façon, ils ramènent leurs trousses tout le temps, mais je leur demande de faire un petit récap de leurs crayons et tout ça. C'est pas encore gagné, ça aussi. Hein, ils ont tendance à pas le faire. Mais voilà, à peu près tous les cahiers que j'utilise. Ça fait quand même un petit peu de cahiers, mais... Je trouve que mon organisation est pas mal, il faut juste que je modifie pour le cahier de poésie, que c'est pas encore au top. Et le cahier de liaison, je suis pas encore conquise parce que j'ai trouvé. Mais comme je vous l'ai dit, on se remet tout le temps en question, on trouve des idées, on change. Et si vous avez des conseils à me donner, des petites choses à partager, bah vous me dites ça dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, avec mes collègues aussi de CE2 et de CM1, on essaie de faire des continuités comme pour le cahier d'anglais, pour éviter de gaspiller, de racheter ou d'avoir des cahiers à moitié remplis. Mais encore une fois, il y a un petit défaut, c'est que moi, arrivé en CM2, le cahier d'anglais, il est plus assez grand et j'ai plus de place pour mettre les choses. Donc pareil, il faut qu'on trouve une autre solution ou qu'on réfléchisse à autre chose ou qu'on prenne un cahier peut-être un peu plus grand, je sais pas. Faut qu'on y réfléchisse. En tout cas, faut que je vois avec mes collègues. Mais si vous avez des conseils, vous pouvez me raconter aussi votre façon de vous organiser, si vous êtes prof, si vous êtes étudiante ou élève, bah n'hésitez pas à me dire vos cahiers que vous avez, hein, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et puis de toute façon je vous retrouve là-bas pour discuter. En rangeant son cartable, regardez ce que j'ai trouvé. Et oui, dans ma classe ils ont droit à leur baguette magique, parce que l'année dernière ça fonctionnait bien, cette année un petit peu moins, mais je leur demande de lever la main logiquement avec la baguette quand ils en ont une. C'est sur la liste de rentrée des classes d'ailleurs. Elle est trop belle, évidemment elle a choisi celle d'Hermione. On n'hésite pas à liker cette vidéo, à s'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, on se retrouve très très prochainement. Allez, salut !